Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie des Big Boss, Yacine et Myriam. Yeah. Aujourd'hui les gars, vidéo, on est trop trop contents. On est en Algérie et derrière on a une piscine gigantesque. Wow. Les gars, on se fait un petit 24 heures. Bah ouais. Que dans la piscine. Que dans la piscine. Oh là 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 là, incroyable. En plus il fait super beau, ça fait plaisir. Il le fait soleil beau, il est bleu. Il fait chaud. Et Younes, oh t'as eu peur. Ouais. Yacine. Non, venez on fait un plan, on n'a pas le droit de se pousser. Vas-y, vas-y. Parce que là, aujourd'hui on a l'honneur de vous présenter la piscine, bro. Vas-y, présente leur Yacine. La piscine elle est incroyable parce qu'on a un coin pour les grands et un coin pour les petits. Déjà pour commencer, ici ça fait 3m30, vous avez bien entendu. 3m30. Ça veut dire moi je fais 1m80. C'est moi plus moi, c'est grave profond. Et ensuite là-bas, on a un coin où ça fait seulement 1m10, donc ça va, c'est petit. Eh, mais on fait comment pour passer le temps? Pour ne pas rester 24 heures? On va se lancer des défis. Pour premier défi de la vidéo, vous savez que le crocodile il coule un petit peu. Et ben vous allez devoir rester 10 secondes sur ce crocodile. Ah, ça commence direct avec le crocodile. Ça flotte pas, les gars. Le blanc-lit. Blanc-lit, ok, blanc-lit. Pissenlit, pissenlit. Pour vous, je vais tenter l'expérience. T'as pas une technique? Je m'en fous. Ah, bah ok, bah alors tu vas couler. Du coup, tu vas devoir mettre le crocodile, tu vas devoir tenir dessus. Ouais. Est-ce que Younes il a le droit de se mettre directement sur le crocodile? Ou est-ce qu'il doit mettre le crocodile et de l'eau, il doit y aller dessus? Il doit mettre le crocodile et aller. Si, jette le crocodile, jette le crocodile. Non, non, descends par là. La rambarde, bah bien sûr. Non, non, je l'autorise, à descendre par là. T'es dans l'eau, voilà, c'est parti. Vas-y, nage. Voilà, incroyable. Maintenant, mon gars, tu vas avoir 30 secondes pour te mettre sur le crocodile. C'est parti. 30 secondes, allez, go. 30 secondes. 29. C'est bon, elle est sur le croco. Attends, mais est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va tenir? Aïe, 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 aïe. C'est reparti encore, il te reste 15 allez, secondes. Allez, encore. 15 secondes. Non, faut tout ton corps, tout ton corps. Allez, il te reste 15 secondes. Il est en train de se battre avec un crocodile, on dirait. Le crocodile est en train de lui faire la hagra. Aïe, ça va pas être... Ah, attends. C'est validé? Ouais, c'est validé. C'est validé, bravo. Allez, mec, je vous promets, quand t'es au milieu de la piscine, tu sais qu'il y a 3 mètres en bas de toi, t'as grave peur de plonger, t'as grave peur de te noyer. Parce que imaginez-vous, j'ai une crampe. Je suis KO. Regardez, je vais aller au milieu, ça fait grave peur. Et Blalis, alors, il t'a aidé ou pas? Blalis, il a été méchant avec Younes. Hein, t'as été méchant, Blalis. Là, il y a 3 mètres de croix. Vas-y, descends en bas pour montrer à tout le monde. Regardez, là, il a pas pied. Là, il vient d'avoir pied. C'est grave profond la famille. Ouais, vrai, il a toujours pas pire. Les gars, moi je suis pas un homme poisson, je suis sorti un peu de l'eau parce que j'ai été le premier à faire le défi. Ça fait vraiment flipper. Mais le plus qui fait peur, c'est la mer. Moi la piscine en vrai c'est carré. Ouais, parce qu'il y a un maître nageur, t'as vu? On t'a ramené dans un deuxième endroit, donc c'est une mini piscine. Oh regardez, ça fait une forme de poisson, elle est trop stylée. J'ai un objet que je vais cacher dans toute la piscine. Ouais. Tu vas devoir le retrouver en le moins de temps possible, sachant que tu vas démarrer dans le toboggan. Myriam, tu vas devoir te mettre en haut du toboggan. Quoi? Pourquoi? D'accord. Parce que c'est le top départ. Moi je vais cacher l'objet là où. Par contre, t'as pas le droit de le cacher en dehors de la piscine. Ensuite, tu vas devoir le retrouver en le moins de temps possible. Et si je veux me poser des questions. Vas-y, c'est parti, vas-y, monte en haut. Moi, je fais déjà pour monter. Eh, mais c'est n'importe quoi, regardez là. C'est une prison, wesh, on peut même pas sortir de là. Eh, Myriam, si tu sors pas de ce labyrinthe, tu restes bloqué là, on rentre en France, tu restes en Algérie. Viens voir, caméraman. Oh, ici, il y a une issue de secours. Tu vas t'asseoir ici. Regarde là-bas. Non, là-bas. C'est bon, je me mets comme ça. Ouais, là-bas. Non, c'est de la triche parce que tu vas tricher. Et Yacine et moi, on va fou. Tu restes là. Ok, on va cacher les lunettes de plongée. Que je fais le gamin les cacher sous un parasol. On va les mettre ici, regardez. Là, c'est impossible qu'elle trouve. Tu vois là, tu vois derrière ça là, c'est impossible qu'elle trouve. Elle, au début, regardez, je vous explique au début, elle pensait que ça va être dans la piscine. Elle va dire, mais ils sont où? Elle va pas faire le gars, moi je parie, il va pas les cacher au désert, bouge pas. Viens, retourne-toi. C'est bon? Quoi? Est-ce que t'es prête? Oui, je suis prête. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, Myriam directement qui va chercher son objet, la famille. Hop, purée, l'eau, à mon avis, il est où? Elle va chercher dans la piscine, je le savais. Posez des questions. Est-ce qu'il est loin dans la piscine? Non. Ok, est-ce qu'il est dans la piscine déjà? Non, il est pas dans la piscine. Quoi? Eh hey Myriam, quoi? Je te passe 100€ si tu trouves en moins de 10 secondes. 10, ok. 10. Non, les gars, il est là, il est là. 7. Non, il est pas là. Les gars, il est là-bas dans le pot de fleurs. Je peux pas courir. 1, aïe, les 100€. Oui. Est-ce que t'as une question à me poser? Qu'il est dans l'air de jeu. Il est pas de ce côté-là. Est-ce qu'il est en dehors des parasols? Non, il est pas en dehors des parasols. Est-ce qu'il est sur les parasols? Sur des parasols? Ouais. Non, il est pas sur des parasols. La poubelle, elle est rouge, c'est grave drôle. Il est pas dans la poubelle, hein, parce qu'elle, elle est capable de chercher dans la poubelle. Ouais, chauffe. Ouh, je crois qu'il fait très chaud là. Ah, je l'ai trouvé! Aïe, on a trouvé, je vais déchirer ici. Vous avez vu, la piscine elle est ultra grande. Yacine va devoir partir du début jusque la fin, sans faire de pause. Il y a au moins 50 mètres. Yacine, vu que toi t'es un professionnel de la nage, est-ce que t'as fait de la nage à l'école? Ouais, quand j'étais petit, ouais. Est-ce que t'étais dauphin ou t'étais canard? Quoi? Je te rappelle plus dauphin, canard et tout. Myriam, viens voir, je vais appeler Myriam, elle va t'expliquer. Quoi, c'est ce bail de dauphin en canard à la piscine, j'ai pas compris. En gros, dauphin c'est les plus forts et canard c'est les plus petits. Moi je suis un gros, presque dauphin. T'es pingouin, t'es pingouin. Y'a pingouin, dauphin. Et il te fallait quoi pour passer dauphin? Et pourquoi tu étais pas dauphin? Tu savais pas faire quoi? Attends, passer dauphin parce qu'en fait c'est eux ils m'ont mis en pingouin, je sais pas pourquoi. Eh, vu qu'Yacine tu te moques de moi, tu vas devoir nager tout le long sans t'arrêter. Oh vas-y, elle est glacée l'eau en plus. Moi, oh la dinguerie. Eh mais tu sais quoi, si tu t'arrêtes au milieu, je viens pas te sauver, ça fait 3 mètres. Hein. Ah oui, mais si j'ai une crampe à 3 mètres, je fais comment? Bonne chance. Ouais. Oh, vous êtes des hagals. Des hagals. Va-t-il réussir? Moi aussi je vais rester dans l'eau pour l'accompagner, mais je vais pas aller plus loin. La technique, ça va être de nager comme un dauphin, pas comme un pingouin. Je vais essayer d'aller le plus vite possible pour que ça passe vite parce que imaginez, je vais doucement et j'ai une crampe. Bonne chance, allez go. T'es pas congelé, arrête ton
cinéma. Pour l'instant, il va pied. Mais non, mais toi, triche pas. Dès que tu peux plonger, tu plonges, tu nages. Elle est congelée, Younes. Moi, je pense qu'il va réussir. J'ai confiance en mon frère. Regardez, ça dégaine. Vas-y, noie-toi. Ok, c'est parti, les gars. Yacine qui commence. C'est parti. Yacine qui nage, les gars. Il y a un sort de filet. Je sais pas comment il va faire. Quand il va arriver à 3 mètres, ça va être une dinguerie. Ok, bien joué. À l'accélération. Et Myriam qui est juste derrière, parce qu'elle n'arrive pas à suivre. Regardez, là, s'il a une crampe, il est mort. Il y a 3 mètres de profondeur, les mains. 3 mètres 30. Mais il nage au ralenti. Regardez, il avance même pas. Allez, accélère, l'homme poisson. J'espère que je peux me retourner comme Violette. Yacine qui est arrivé au bout. Oh, il a triché. Espèce de sale gros tricheur. T'es parti ici alors qu'il fallait y aller là-bas. T'as pas de cardio? Je vais là-bas? Mais oui, tu vas là-bas, tu retournes là-bas, okay, sale gros tricheur. Remets tes lunettes et repars. Allez, c'est parti. Allez, renage. Une petite crampe, ça serait cool. Voilà, là au moins il triche pas. Sans bien. Les gars, c'est chez les malins. Si t'as une crampe, t'es KO, il y a 3 mètres. 13, 2 mètres à faire. Ok, là c'est validé. Là je dis oui. J'en veux plus. Est-ce que je peux remonter s'il te plaît? Oui, tu peux remonter. Waouh, la dinguerie les amis. J'ai vu ma vie défiler là. Ouh, c'était chaud, mais défi réussi. Ouais, là je te le valide. Eh hey, Myriam, elle a 10 ans. Ouais. Et je voulais savoir si tu vas battre ton record de 10 secondes sous l'eau. Ah, est-ce que tu penses pouvoir le battre à 10 ans? Bah ouais, je pense. Attends, t'as pris des cours de piscine à l'école toi? Ouais, j'ai pris. À chaque fois, elle avait piscine au début de l'année. Elle prenait un goûter et elle a dit c'était trop bien. En gros, ils nous mettaient dans une piscine de 4 mètres. Je sais plus combien de mètres. Oh la menteuse. Mais voilà, c'est vrai, c'était une piscine grave quand j'ai ni toi t'avais pied, ni lui, ni moi. Ok, Myriam. En position. Ouais, je suis confiante de ouf. Sa tête d'homme. On dirait Roxy. Est-ce que t'as la ref, Younes? Non. Mais t'es en position. T'es prête? 3, 2, 1, c'est parti. Va-t-elle battre son record, les gars? On a le chronomètre. Elle doit battre 10 secondes. Elle m'entend. Elle nous entend, les gars. Myriam, si tu nous entends, dis-nous yes avec ton pouce. Elle nous entend. Ok, okay. Attention. Continue. T'as battu ton record. Il faut qu'elle établisse un nouveau record, les gars. Que tout le monde doit battre pendant les vacances cet été. Je compte sur vous pour essayer de le battre. Oh, allez, Myriam. Trop forte. Par contre, quand t'as plus des remontes, hein. Y a pas d'hôpital. Oh là là. Les gars, c'était grave chaud parce que vous voyez, genre avec le bas, ça encombre encore plus. C'est comme ça, faut remonter vite parce que ça peut être dangereux. Du coup, à ton avis, t'as fait combien? Je pense à mon avis 11. 11 secondes? Ouais, 11. Du coup, tu penses que t'as battu ton record? Ouais, je pense. Et bah, je vais vous annoncer la nouvelle, elle a fait 20 secondes et t'as battu, t'as explosé ton record. Ouais! Quand vous allez en vacances cet été, essayez de le battre, mais je pense que c'est impossible. Mais par contre, Younes, c'est grave de faire un record pour les grands dans cette piscine. Moi, par contre, les gars, ça sera pas 20 secondes. Soyez pas choqués en vacances, les petits, vous essayez de battre 20 et les grands essayez de battre ce record. Après, Younes, je vais te dire la vérité, le plus fort dans ce domaine, c'est Sofiane. Attends, 3, attends. 2, 1, c'est parti. Ok, Younes, okay, directement. Ok, on a deux plus que Messi. Ok. Ah, j'avoue, Myriam, tu lui poses des questions comme ça, au moins on est sûr qu'il triche pas. T'as 10 secondes, mec, 10 secondes pour Younes. T'as 20 secondes, il est trop chaud. Est-ce que tu penses que tu vas battre mon record? 30 secondes, Younes. Ok, Younes, pour l'instant, Younes, ça a l'air d'être facile pour lui, il a 30 secondes. Oh! Eh, les gars, vraiment, vous allez me battre parce que c'est trop dur de répondre à des questions. Elle me laisse pas me concentrer. Elle me parle de Ronaldo. Après, elle me dit, est-ce que tu triches? Après, elle me dit, est-ce qu'ils vont te battre? Laisse-moi prendre mon envol. À ton avis, t'as fait combien? Parce que j'ai dû faire 30 secondes. T'as fait 34 secondes. C'est tout. Eh, c'est catastrophique pour une personne de ton âge. Yacine et Myriam, là, je vais vous poser des questions, comme je vous ai dit. Et si vous perdez, je vous lâche en plein milieu dans l'eau gelée. Hein. Ici, l'eau n'est pas chauffée. Glacée en plus. Elle est pas chauffée ici. Oh, t'as cru. Arrête, arrête. Oh, t'as cru. Bah, non. Qui est le meilleur buteur de la Ligue 1? Ronaldo. Aïe. C'est une dinguerie ce que t'as dit, c'est une dinguerie. Allô. Il mettre la tête, genou contre le sol. Oui, c'est pas Ronaldo, c'est qui? Que c'est une question qui se pose. Le meilleur buteur de la Ligue 1, c'est Mbappé, Myriam. Ah, bébé. Question pour Yacine, question dure. Cite-moi trois villes d'Algérie, vu qu'on est en Algérie. Oran, Alger et Tlemcen. Aïe, il est chaud. Il y a des Z. Est-ce que tu vas aller une deuxième fois dans l'eau? Non, je veux pas. Cite-moi un aéroport en Algérie. L'aéroport d'Alger. Ah ouais, elle est forte, hein. Elle aussi, c'est une vraie DZ. Yacine, tu vas me citer trois plats algériens salés et deux plats sucrés. Le gouet, c'est des pommes de terre avec des olives. Ok. Le couscous. Okay. Mahajer. Voilà que les pruneaux. Et deux plats sucrés, on a Zlebia et on a les macroutes. Une pour le Big Boss quand même, Younes. Ouais, on va lui poser une question impossible. Combien font 8 divisé par 45? Attends, mais... C'est talon, Pélo. Oh, la question de Hagar. Bon, elle, en fait, elle voulait juste que j'aille dans le bassin des petits. J'ai capté 8 divisé par 45. Comment tu veux que je connaisse? T'es un scientifique ou... Tu vois ma tête? T'es un youtubeur. Je sais pas, ça fait combien? Pas un âne. Là, c'est en effet uniquement pour moi et Younes. On va devoir faire le poirier. Celui qui fait le meilleur poirier, il a gagné. Allez, je vais te laisser commencer. Tu sais faire un poirier, canard? Oui. Les gars, je pense que ça sait pas faire de poirier. Les gars, ce micro, c'est une masterclass. On m'entend trop bien. 1, 2. Oh là là, elle a cassé ses lunettes, Myriam. Mais pourquoi t'as cassé les lunettes? A few moments later. Elle a réparé ses lunettes, Bob l'éponge. Myriam, on va voir combien de secondes elle tient. T'es prête? Ok, elle est partie sous l'eau. Hey, pas mal. Ok, c'est votre... Les étchoffes, il a été fait, vas-y. 1, 2, 3, 4, 4 secondes, 5, 6, 7, ouais. Combien? 7 secondes. 2, 1, c'est parti. Ok, lui, je pense qu'il va faire 2 secondes. Ok, 1, 2... 3. T'es pas assez profond, frère, ça fait 40 cm. Mec, t'es trop nul, t'as un dernier. Non, regarde, essai. Je vais aller vers là-bas, je vais réussir. Vas-y. Ah, mais deux secondes, chrono.
Ouais, qu'est-ce qui m'est arrivé? Il y a de l'eau qui est rentrée dans mes trous de nez, dans mes oreilles, dans mes yeux, dans ma bouche. Je sais que la piscine n'était pas assez profonde pour Younet. Du coup, j'ai décidé que la victoire revenait à Myriam. Non ouais. Attendez, je refais une victoire, Regardez, je perds contre ça, je perds contre ça. Tu passes en dauphin et toi t'es un canard. Non, moi je vais proposer une course sous l'eau. C'est là on va voir qui est dauphin, qui est canard. 3, 2, 1, go. Allez, c'est parti, la course entre Younes et Myriam. Qui va réussir à arriver premier? Younes, il s'arrose. Vous avez le droit de vous arroser si vous voulez, vous avez le droit, vous avez le droit. Oh, pour l'instant, Myriam, elle est en tête. Aïe. Tiens, refais sous l'eau. Elle arrive pas comme ça, elle veut faire sous l'eau. Eh, ouais, tu te livres à l'Algérie. J'ai faim, ça y est là. T'as faim là? Ouais. Le 24 heures et t'as fatigué? Bah oui, le 24 heures piscine. Eh, hey, vas-y, je te pose 3 questions et si tu trouves bon, on mange ce que tu veux, sinon on mange ce que je veux et crois-moi, ce sera des légumes et de la viande. Oh non, vas-y, ok. Quelle est la capitale de ce pays? Alger. Ça, c'était la première pour te mettre en confiance. Quelles sont les 3 couleurs du drapeau algérien? Le rouge et le vert. Ok, c'est gagné. Tu veux manger quoi alors? Pizza. Ok, 2 pizzas pour toi et on fait une petite pause dans le 24 heures. À la fini. Les gars, la piscine, ça fatigue de malade mental. Les pizzas sont arrivées, on a 2 pizzas. Tu veux prendre laquelle? A-L-G-E. R-I-E. Il y a un E à la fin. Il y a un E à la fin. Tu prends celle-là, je prends celle-là. Waouh. Tu vois, madame. Est-ce que je te propose une idée? Fais moitié. Ah ouais, c'est une bonne idée ça. Je vais te laisser taper le croc vu que t'as respecté les challenges. Oh, ils ont mis de la mayonnaise. Les Italiens, vous avez qu'à bien vous tenir. Est-ce que vous avez ça, vous, en Italie? Waouh, c'est bien fondant. Ok, on va prendre une. Elle va plus trop celle-là. Ouais, les ingrédients, ils partent. Va dans la pizza. Ici, les nerfs. Ta pizza, c'est rempli de chemin. Avec ça, c'est moi qui vais gagner le 24 heures. Mais tu fais quoi? Tu veux jouer à ça? Prends une grosse part. J'ai pris une petite. Non, tranquille, prends. À part que je vais prendre. Ah, abuse pas. Ah, frère, c'est toi, tu commences. Alors, vas-y, ta pizza. C'est bon. Vas-y, on va voir si ta pizza elle est plus bonne que la mienne. Elle a une bonne margarita comme il y a ce qu'il veut. Ouais. Bon les gars, on continue à se régaler. On va repartir dans la piscine. Je crois qu'il y a un gros point négatif à la piscine et ça rend fou tout le monde. Et quand tu vas sous l'eau, t'as de l'eau qui rentre dans tes oreilles et parfois l'eau reste bloquée. Et après, quand tu prends l'avion pour revenir en France, oh là 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 là, ça fait trop mal. Dites-moi si vous vous reconnaissez dans les commentaires. Je prends l'échelle et je vais jusqu'au fond sous l'eau. Je prends l'échelle et tu vas devoir aller jusqu'au tout là-bas sous l'eau. Attends, mais je vais te prévenir, je vais pas réussir, c'est sûr. Bah, fais de ton mieux. Attends, tu rates tous les défis depuis le début là. Je vais réussir parce que je vais faire une technique secrète. Ma technique, Myriam, ça va être de nager en crawl sous l'eau. C'est quoi crawl? Profiterole. Mais elle, c'est une brebis. T'es quoi? T'es une brebis toi? C'est une pingouin. T'es une pingouin. C'est même passé quoi le crawl? Je suis dauphin. C'est même passé quoi le crawl? Je rigolais, en fait, je suis dauphin depuis le début. Allez, c'est parti, Younes. En position. Un dernier mot. Je vous aime tous. Si je reviens pas, bah. Reviens pas, mais mettez juste un like, tout ce que je vous demande et faites 2-1. Ok, c'est parti. Bismillah, Younes, c'est parti. 3, 2, 1, go. Ok, let's go. Oh, le tricheur. En vrai, ça, je sais pas si on va l'accepter. S'il touche pas le mur en étant comme ça, c'est la honte. T'as pas le droit, Myriam, de aller. Ok, attention Younes, qui va réussir? Qui va y aller? Ok. Comment il se la pète? Grave. Regardez comment il se la pète. T'en penses quoi, Myriam? Tu le valides son défi? Je valide pas trop parce que tu vois, il a levé les oreilles et tout, c'était pas trop ça. J'avoue, en vrai de vrai, c'est bizarre. Eh mon gars? Ah, en vrai, c'est pas trop validé, hein, t'as mis les oreilles et tout. Le défi, c'était d'aller sous l'eau. On va enfin me respecter dans cette famille. Si je pouvais pas faire l'aller-retour, mais au moins j'ai fait tout l'aller, j'ai nagé tout ça sous l'eau. Bah, vas-y. Donc la meilleure technique, c'est de nager le crawl sous l'eau. Bah non, si, les oreilles, ça n'a rien à voir, les oreilles. Ah, si, les oreilles aussi, c'est sous l'eau. N'importe, mais quel footix de la piscine, celle-là? Non, je vais boire toute la famille. Pour tous ceux qui sont à l'école en ce moment, les gars, désolé. Hein. On profite pour vous. On s'assoit ici, tranquille. Et bientôt c'est les vacances, Inch'Allah, vous allez en vacances, vous amusez. On arrive à la fin, du coup dites dans les commentaires qui a gagné ce 24 heures dans la piscine. Ouais. Moi je pense que c'est moi, je vous ai éclaté. Les gars, les piscines en Algérie sont vraiment incroyables. La piscine elle est chaude, la piscine elle est grande. Elle est masterclass parce que c'est une piscine pour tout le monde. Du coup nous on va vous laisser là, likez, abonnez-vous. Ciao.